bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 25 juillet déjà. L'impression d'être déjà à la moitié de l'été, quoi. Il est 20h30, donc je vous prends plutôt en soirée. J'étais en train de plier du linge, voilà. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas vlogué. Bon, j'ai vu les premiers commentaires sur les vlogs courts qui me disent que effectivement vous préférez les longs. Le souci, c'est que en fait j'ai remarqué que la moyenne de lecture c'était en fait 14 minutes quoi. Donc je vois pas l'intérêt de faire des vlogs de 30 minutes, 35 minutes si au final il y en a même pas la moitié qui est vue quoi. Donc bon, on verra ce que ça donne sur le format vlog court, mais en tout cas pour le moment on en reste là. Alors, on verra après. Du coup, aujourd'hui, je suis allée à Paris, j'ai travaillé toute la journée, j'ai fait que du travail intéressant, j'adore. Et demain, encore plus, parce que demain, réunion de préparation de tournage, du coup, avec la réalisatrice, la première assistante et la deuxième. Donc, on a beaucoup, beaucoup de points à aborder, beaucoup de choses à voir. Et avec Pascal, on va retravailler le devis. J'adore ça. Donc, voilà, moi aujourd'hui j'ai refait un dépouillement et un plan de travail. Alors c'est pas du tout, ça fait pas partie du taf que je ferai plus tard, mais j'aime bien le faire quand même. Donc voilà, j'en avais préparé un pour mon épreuve d'examen, mon épreuve orale, et ben en fait ouais j'ai bien aimé, même malgré la difficulté que ça représente pour moi parce que je ne sais pas évaluer le temps que prendra une séquence à filmer en fait. Et du coup, le plan de travail, normalement, on doit caser le maximum de séquences à filmer dans une journée pour rendre le temps productif. Sauf que comme moi, je ne sais pas combien on va mettre de temps à tourner telle ou telle séquence, et bah du coup, je cale des séquences sur une même journée, sur plusieurs jours, mais bah, je sais jamais en fait si ce que j'ai fait c'est correct ou pas. Est-ce que c'est pas trop de travail pour une même journée? Est-ce qu'au contraire c'en est suffisamment? Donc c'est un peu difficile pour moi d'évaluer ça, mais en tout cas j'aime le faire. Donc bon, pour l'instant c'est un peu au pifomètre hein, du coup, mais non là on rentre vraiment dans le vif du sujet. En plus ce matin j'étais très contente parce que quand je suis arrivée en fait je suis arrivée en même temps que Pascal et du coup j'allais m'installer au bureau et là il me dit non viens pose-toi, prends-toi un café, un thé, ce que tu veux. Il me dit faut que je te parle. Oh. Alors souvent quand on vous dit ça, faut que je te parle, c'est pas toujours bon signe en fait. Donc là ça va, c'était bon signe. Et en fait il m'a expliqué que il avait pu discuter avec des gens et que il avait entrevu une possibilité d'emploi éventuelle pour moi. Alors il sait pas pour quand par contre pour l'instant, mais en tout cas il m'a dit que voilà, il reste sur le coup et il travaille pour moi, mais il m'a dit que ça pourrait être une bonne opportunité, au moins pour générer mes droits d'intermittence, au moins. Il m'a dit, je sais pas si ça sera le contrat dont tu rêves, mais en tout cas, il m'a dit ça te permettra de générer tes droits d'intermittence. Donc ce serait déjà un premier pas, pardon. Juste à savoir quand est-ce que ça aboutirait, parce que moi, je suis partie pour faire ma suite de formation, ma deuxième formation en septembre. Et pour l'instant, j'ai pas de confirmation que je pourrais la faire en septembre. Hein. Donc, si c'est pas le cas, effectivement, ce contrat pourrait être le bienvenu. Voilà, donc non, c'était une bonne journée. Je suis rentrée en plus à l'heure, mon train était à l'heure. Donc, je suis rentrée, j'ai mangé. Les enfants m'ont appelé, mais finalement, Eric a pris le téléphone en me disant « Est-ce qu'ils peuvent te rappeler après ?» Parce que là, on passe à table. Bah, ok, pas de problème. Donc là, j'attends qu'ils me rappellent. Voilà, donc moi, je suis dans mon canapé, en train de plier du linge et j'attends que mes enfants me rappellent. Donc demain je retourne à Paris. Normalement j'étais censée voir ma copine Sandra demain. On devait se faire une sortie et bah comme j'ai une réunion demain, du coup je ne pourrais pas. J'avais prévu de dire à Pascal que je prenais mon après-midi, mais en fait bah quand je suis arrivée ce matin et qu'il m'a dit bah en fait elles viennent demain matin, ça serait cool que tu sois là. Je me suis dit oui en effet ce serait cool que je sois là, donc bah du coup je serai là. Voilà. Donc j'étais un peu dégoûtée d'annuler avec Sandra,
Mais c'est important cette réunion parce que ça nous permet d'organiser le tournage. Et là, pour le moment, on ne peut pas le faire justement parce qu'on n'a pas assez d'infos, parce que ceci, parce que cela. Et ça devient un petit peu pénible. Donc, j'avoue que ouais, je suis contente qu'on puisse enfin faire le point. Donc voilà, bon bah du coup je vous laisse pour l'instant, je vous reprendrai probablement demain. Je pense que ce soir je vais relancer une lessive puisque j'ai étendu du linge ce matin qui peut-être même déjà sec. Faudrait que j'aille voir, bien qu'il n'a pas fait hyper chaud aujourd'hui, mais j'irai vérifier et puis bon moi je continue mes petites tâches ménagères en attendant que les enfants m'appellent. Voilà. Bon, bah les amis, je vous reprends, mais samedi. Voilà, il est 11h quasiment. Je suis levée depuis 1 heure, réveillée depuis 2 heures. Ouais, j'ai bien planté dans mon lit, on va pas se mentir. Et là, je m'apprête seulement à prendre mon café. Je prends un café parce que j'ai plus de lait. Habituellement, je prends du chocolat chaud le matin. D'ailleurs, je bois très peu de café. Mais là, j'ai que ça. Donc, du coup, je prends ça. Je vais aller faire des courses aujourd'hui parce que... Bah forcément, comme je suis allée à Paris tous les jours cette semaine, et dans la majorité des cas, j'ai fait des heures sup, façon de parler, mais pardon. Il y a un jour où j'ai eu des problèmes de train, et hier, où j'avais prévu d'aller faire mes courses hier, et ben en fait, je suis rentrée tard parce qu'on a bossé sur un truc hyper intéressant avec Pascal, donc du coup, bah, je suis rentrée plus tard que prévu. Donc je n'ai pas pu aller faire mes courses. Voilà. Donc je vais y aller aujourd'hui. Du coup, pour vous faire un petit brief quand même de ce qui s'est passé depuis mercredi. Donc mercredi, on a eu la réunion. C'était hyper intéressant pour moi en fait, parce que moi, je ne connais pas ce genre de choses en fait. Vu que j'ai jamais assisté à un tournage, les réunions avec les réalisateurs, tout ça, moi, je connaissais pas. Donc c'était une première. Voilà, maintenant, je sais de quoi on parle dans les réunions de prépa. Du coup, j'ai eu pas mal de boulot parce qu'on a réservé tous les billets de train, on a fait les contrats de travail, on a fait beaucoup de choses, hein, le point sur les hébergements, tout ça, enfin bref. Et ça, c'est moi qui fais. Ensuite, jeudi, j'ai travaillé aussi. Justement, c'est ce jour-là, parce qu'en fait, mercredi, vu qu'on a fait la réunion, on a énormément parlé de la réunion. Jeudi, j'ai fait donc effectivement tous les contrats, les réservations de train, etc. J'ai mon billet aussi. Voilà. Ensuite, vendredi, pareil, hein, reboulot. Hier soir, je suis rentrée un petit peu plus tard, du coup, comme je le disais, parce qu'on a retravaillé le plan de travail. Et puis, aujourd'hui, week-end, demain, week-end, lundi, je ne vais pas à Paris parce que j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo à 9h. Et en plus, j'ai cassé mes lunettes, mais je les ai tordues, je suis dégoûtée. Je sais pas si je peux vous montrer si j'arrive à ouvrir le boîtier à une main. Ça, c'est moins gagné parce que je suis pas très douée en motricité fine. Je me demande pas d'où ça vient pour Adam, ce problème de motricité fine. Ça vient de moi. J'ai effectivement des gros problèmes de motricité. Voilà, alors pour vous montrer, mes lunettes sont tordues. En fait, si vous regardez bien, là, ce petit coin-là, il est très élargi, alors que celui-ci, si j'arrive à vous le montrer, il est vraiment angle droit, quoi. Donc, il faudrait que j'aille chez un opticien aujourd'hui pour les faire resserrer, j'allais dire. Mais voilà, je sais qu'il y en a un qui peut me le faire parce qu'ils m'ont dit la dernière fois quand je suis allée avec Aurore, en fait, le gars était hyper sympa et il m'a dit mais n'hésitez pas, venez nous voir et tout. Il m'avait redressé, enfin il me les avait resserrés un petit peu parce qu'elles tombaient déjà. Donc c'était cool, hein, donc je pense que je vais retourner là-bas. Et puis il faut que je fasse mes courses quoi aujourd'hui. Donc j'ai des poches sous les yeux, c'est horrible, hein. Bon, évidemment, je suis pas maquillée, hein. Je suis levée depuis 1 heure, donc j'ai pas encore été prendre ma douche et tout ça, mais faut que j'aille m'acheter du shampoing pour pouvoir me relaver les cheveux parce que je suis en panne de shampoing. J'adore. Je suis hyper enrouée parce qu'en fait, les microbes... Enfin, je sais pas si c'est des microbes ou si c'est allergique, hein. Très honnêtement, je commence à me poser la question parce que j'ai toujours le nez qui coule, pas spécialement congestionné, pas forcément... vraiment gênant, mais en tout cas ça coule.
Et la gorge enrouée, ça fait plus d'une semaine, quoi. Donc, je me dis, soit c'est long à partir, soit c'est allergique. Et vu que de base, je suis allergique au boulot, à l'arbre, pas au boulot, le travail, vous l'aurez compris, forcément, ça doit se sentir, je sais pas. Bien que j'en vois pas des boulots ici, donc peut-être qu'il y en a à Montreuil et j'ai pas fait attention, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, ça va être une journée, je pense, plutôt cool. J'ai une vaisselle à faire de plusieurs jours, donc je vais m'y mettre. Là, je vais juste prendre mon petit déjeuner. Je dois avoir les enfants au téléphone vers 16h, normalement. Et puis, voilà, hier soir, j'ai acheté mes billets, ça y est, pour partir. Donc, je pars jeudi. Je pars de Paris à 11h. Et j'arriverai à... Du coup, je vais acheminer pour... Parce que je vais voir ma copine Emeline. J'arriverai vers, je sais plus, 17h, je crois. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Il faut encore que j'achète mon billet de train pour le mois d'août. Parce que même si je vais pas être là une partie du mois, en fait, là, j'en ai besoin pour partir jeudi. J'en aurais besoin quand on va aller à Paris avec Mélissa. J'en aurais, enfin quoi que, on va peut-être y aller en voiture, je sais pas trop. Mais bref, de toute façon, moi, je vais aller à Paris durant le mois d'août. Je vais juste pas y aller entre le 3 et le 14, mais le reste du mois, je vais y aller. Donc, je vais acheter mon billet. Et puis c'est tout. Il faut juste que je pense à le faire. Ouais, ça va pas être une journée fascinante, mais si au moins je peux faire redresser mes lunettes, j'aimerais bien. Bien que je les porte pas toute la journée non plus, mais c'est vrai que ces derniers temps, je les portais quand même un peu plus souvent parce que je me suis rendu compte que elles me servent quand même. Pardon, j'en ai marre d'être enrouée comme ça. Pour la journée d'aujourd'hui, je pense que ça va se contenter de ça. Pardon ? Je dors, hein, pourtant. Mais j'ai l'impression que rien n'y fait. D'ailleurs, j'ai perdu 2 kilos. Je suis trop contente. Là, depuis que les enfants sont partis, je mange moins et je mange beaucoup plus de légumes, de crudités, etc. Donc, du coup, voilà, moins 2 kilos. Donc, je suis très contente parce que être repassée au-dessus de 70 kilos, ça m'avait quand même pas mal contrariée. Je suis toujours à 70. Mais je me dis que si je recommence à perdre, c'est bon signe et donc il faut que je continue et que ça devrait fonctionner. Hier soir, je me suis accordé un McDo parce que voilà, ça fait 2 semaines que je me prive, donc je pense que je peux à un moment me faire un petit plaisir. Et puis après je vais repartir sur des crudités. Je mange beaucoup de crudités en fait parce que j'en avais acheté beaucoup en me disant que de toute façon le temps s'y prêterait, sauf qu'au final il fait pas beau du tout. Il fait pas, même pas chaud en fait, on sort en manches longues, etc. Donc j'espère qu'en Bretagne, quand je vais y aller, il va faire un peu beau quand même. Parce que là, du coup, j'avoue que je sais pas trop quoi mettre dans ma valise. Hein. Les robes d'été et tout ça, je suis pas certaine. Donc là, on verra. Voilà, bon ben je vais prendre mon petit café et puis après je vais aller prendre ma douche et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, mais je vous reprends, on est dimanche, il est 15h30 et je suis en mode active. Hein. Comme vous le voyez, j'ai pas pris soin de moi spécialement parce que déjà j'ai fait ma valise. Donc je suis prête à partir. Je pars que jeudi, mais je suis prête. J'ai rangé la chambre d'Elsa. Donc j'en profite pour étendre mon linge dans sa chambre vu qu'elle n'est pas là. Donc j'ai fait son bureau, j'ai fait son lit, j'ai fait sa coiffeuse, son étagère. Et même cette étagère-là, voilà. Et je suis allée faire un petit tour dans la chambre des gars. Donc déjà, je suis allée dans la chambre des gars et j'ai retiré tout ce que j'ai là et tout ce que j'ai là de linge. Normal, quoi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller ranger ce qui reste. Ce qui, en soi, ne va pas me prendre énormément de temps parce que, en réalité, c'est beaucoup brassé, mais il n'y a pas grand-chose. Refaire les lits.
Tant bien que non, faut que j'enlève les draps parce que je dois les laver en fait. D'ailleurs, Elsa, j'ai fait son lit, mais j'aurais dû retirer ses draps. Ça aurait été plus logique. C'est pas grave, je le ferai demain parce que de toute façon, là, j'ai relancé des choses. Enfin, j'ai déjà deux lessives détendues. Et là, j'ai relancé en fait le sac à dos d'Elsa. Bien qu'a priori, elle ne va pas le reprendre à la rentrée. Mais elle m'a demandé de lui laver. En même temps, il était très sale. Donc, je l'ai lavé. Et en fait, j'ai nettoyé ma poubelle aussi. Donc, je l'ai retournée pour qu'elle sèche correctement. Après, j'ai encore ma chambre à faire. On ne va pas se mentir. C'est le bordel. C'est là que ça fait le plus mal, en fait, je crois. J'ai fait un peu de repassage aussi pour pouvoir faire ma valise. Et j'ai aéré partout, j'essaye d'être productive. Bon, il est 17h30, j'ai fait la chambre des garçons. J'ai tout fait d'ailleurs, j'ai oublié ma veste. Bon, je veux juste que je nettoie le bureau parce qu'il y a plein de petites... Des taillures de crayon, mais autrement, voilà, ça fait du bien. Bon, moi, je ressemble toujours à rien. Hein. Je suis désolée. En même temps, je ne vais pas ressembler à grand-chose aujourd'hui, étant donné l'activité. J'ai toujours pas fait ma cuisine. Bon, je vais la finir, hein, de toute façon. Voilà. J'ai bien bossé aujourd'hui. Je suis fière de moi. Je ne me suis pas ennuyée. J'ai même eu le temps de regarder un épisode. J'ai commencé une nouvelle série. Alors, une série qui date de 2015, hein, soit dit en passant, mais que je n'avais jamais regardée, qui s'appelle 10%. Et en fait, c'est trop drôle parce que en fait, ça parle d'une agence de comédiens. Donc, ça parle de cinéma, etc. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est assez drôle. Et voilà. Donc là, j'ai regardé, je sais plus, un ou deux épisodes. Et puis, j'ai repris mes activités. Donc là, je vais aller finir ma cuisine. Et je pense que du coup, toilette et salle de bain, ce sera pour demain. Et ma chambre, je pense que je la ferai mardi ou mercredi. De toute façon, ma chambre, je la ferai juste avant de partir, puisque jusqu'au départ, je sais que je vais en mettre un peu partout. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour là pour ce week-end. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Comme ça, c'est fait. Et puis, après, je vais me poser un petit peu aussi. Je vais faire le montage d'ailleurs. Je vais peut-être me changer de coiffure aussi. Ça serait bien. Je vais faire le montage du vlog, je pense. Et puis, si j'aimerais bien finir l'aspirateur, parce que du coup, j'ai commencé. Donc, je me dis quitte à l'avoir sorti, autant que ça serve. Donc, je vais finir l'aspirateur. Je vais ranger ma cuisine. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et du coup, demain matin, rendez-vous à 9h chez l'ophtalmo. Ensuite, il faut que je monte au centre-ville parce que j'ai un truc à récupérer chez Nocibé, un truc que j'avais commandé. Et je dois aller chez l'opticien pour faire réparer... Alors, soit réparer mes lunettes, soit les changer. Mais je pense que de toute façon, je vais garder ma monture. Parce que comme je suis à la CMU, ça veut dire encore payer, en fait, pour avoir des nouvelles lunettes. Donc, non, ça m'enchante moyen. Donc, s'il faut que je garde ma monture pour avoir des nouvelles lunettes avec un changement de correction, je veux dire, non, je vais garder les miennes, en fait. Et puis, voilà, une fois qu'elles seront redressées, elles seront bien. Donc voilà, bon bah sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, surtout avec la tronche que j'ai, je suis désolée. Et puis du coup, je vous reprendrai demain pour un vlog sur quelques jours. Je pense que je clôturerai mercredi, pardon. Et je revloguerai jeudi matin de mon départ jusqu'à dimanche, puisque ce sera en fait les quelques jours que je passerai dans le Maine-et-Loire. Et puis ensuite, je revloguerai lundi pour la suite de mes vacances. Voilà. Donc le vlog des vacances, je pense qu'il sera un peu plus long. Je vais pas faire des vlogs d'un quart d'heure parce que j'ai pas l'intention de faire de montage là-bas. Donc je m'en occuperai quand je rentrerai. Mais en tout cas, du coup, je vais vlogger sur 10 jours en fait. Donc voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao !